Bonjour et bienvenue à tous pour un reportage très spécial pour Entraide.com. Je suis aujourd'hui à l'UTAC. L'UTAC, c'est le centre de crash test qui permet de réaliser les certifications Euro NCAP pour les voitures. Derrière moi, vous pouvez le découvrir, la cabine d'un tracteur New Holland d'une puissance moyenne de 150-160 chevaux, ce qui correspond au tracteur type que les Français et agriculteurs français peuvent utiliser. Notre objectif, simuler un crash test à 30 km/h pour étudier l'impact du port ou non de la ceinture de sécurité pour le chauffeur. Cet essai choc a principalement pour but de sensibiliser les chauffeurs de machines agricoles aux risques encourus en cas d'accident. Voilà ce qui se passe quand un tracteur agricole percute de plein fouet un pilier de pont, un poids lourd à l'arrêt ou encore la façade d'une maison à 30 km/h. Sans ceinture de sécurité, les conséquences sont dramatiques. Le chauffeur du tracteur subit un enfoncement du thorax qui provoquera sa mort. C'est violent, c'est les résultats des deux crash tests que la rédaction d'Entraide vient de réaliser avec la cabine d'un tracteur standard d'une puissance de 160 chevaux. Aujourd'hui, les résultats qu'on a obtenus, qu'on peut voir, l'essai non ceinturé, l'essai ceinturé. On a un thorax qui est rouge, on est au-delà des limites réglementaires et donc on est à ce que l'Euro NCAP appelle un capping, c'est-à-dire mise en danger de la vie de l'occupant et du coup, pas de comptabilisation des points du maintien lors de l'essai car potentiellement pas de protection de l'occupant lors d'un choc. Donc mort de la personne. Les résultats des essais sont éloquents. En fait, on a vu d'emblée que la ceinture permettait de retenir le chauffeur à son poste de conduite et de limiter les conséquences corporelles à une situation acceptable pour le chauffeur. La vidéo montre le caractère nécessaire, indispensable du port de la ceinture sur la route
Mais la ceinture, elle est là également pour vous maintenir dans l'enveloppe de sécurité constituée par la cabine lors des renversements, lors des travaux au champ, avec des machines qui changent le centre de gravité et le comportement dynamique du véhicule. Et donc cette ceinture, elle a son rôle aussi bien au champ que sur la route. L'objectif de la MSA à travers cette vidéo et ces essais, c'est de faire changer les pratiques et faire que le port de la ceinture devienne un réflexe, une habitude, au même titre qu'on ramène le volant vers soi, on attache la ceinture et ensuite on part travailler. Il était difficile d'imaginer ce qu'il se passerait durant cet essai hors du commun. Aujourd'hui, nous avons la réponse.